Andy Régional Tour, troisième journée d'étape à Laon. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Briet. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de se retrouver. On a déjà fait plusieurs émissions ensemble. Le docteur Briet, vous êtes très connu dans le Saint-Quentinois et au-delà parce que vous avez cette particularité, c'est de bien maîtriser justement le traumatisme crânien. Et vous allez nous expliquer à quel point justement c'est important de... non seulement de prendre en charge, mais surtout de déceler quand traumatisme crânien il y a. On était en train de discuter ensemble il y a quelques instants et vous étiez en train de me dire que le nombre de passages aux urgences liés au traumatisme crânien continue d'augmenter. Alors, augmenter, non, pas spécialement, mais il reste, on a eu la Covid et ça a stabilisé, et on a eu beaucoup moins de passages aux urgences. Parce qu'il y a peut-être moins de monde sur les routes aussi. Voilà. Mais les traumas crâniens ont repris très rapidement et très fortement, ainsi que les accidents de voiture. Et donc, il y en a quand même beaucoup. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'on avait déjà fait une étude sur tous les services d'urgence de Picardie à l'époque, qui montrait qu'il y avait 3% des passages de traumatisés crâniens, qu'il soit du léger au grave. Le traumatisme crânien, pour qu'on soit bien d'accord, c'est à partir du moment où il y a eu un choc au cerveau ou pas? Oui, même une fracture du nez, c'est un traumatisme crânien. D'accord. Donc un trauma de la face, c'est un traumatisme crânien. Alors on le détermine surtout par la prise de conscience, mais... la perte de conscience n'est pas toujours présente. C'est aussi une espèce de sidération et se comporter comme un robot. C'est-à-dire, par exemple, c'est au rugby, quelqu'un qui a un traumatisme, qui chute, qui se relève et qui va jouer avec l'équipe adverse et qui joue correctement. Et il s'en souviendra plus du tout qu'il a joué avec l'équipe adverse. Donc ça, c'est un trouble de la vigilance. Et après, bon, il y a des comas, il y a des déficits neurologiques, etc. Et c'est un énorme problème pour le diagnostiquer. Il y a 20% de traumatismes crâniens légers qui ne consultent jamais, ni aux urgences, ni leur médecin traitant. Et un traumatisme léger peut être considéré, avoir des séquelles, comme un grave. Au niveau... cognitif, hein, c'est-à-dire comportement, raisonnement et des atteintes physiques. La fatigue, c'est le premier signe. Et donc le grave, il peut avoir des séquelles qui ne sont que comme des légers. Et c'est ça le paradoxe. En fait, c'est la face cachée quoi, de la forêt. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de léger, et derrière, c'est beaucoup plus grave. Quoi. Voilà. Alors, on sait que 80% des TC qui passent aux urgences, ce sont des légers. Mais on sait pertinemment que 20% de ceux-ci vont avoir une évolution à 6 mois qui est défavorable, et on appelle ça des traumas crâniens à situation complexe. Comment vous qualifiez justement le léger du grave? Alors, le léger, on se base sur la conscience, l'amnésie avant les faits et après les faits. On considère que l'amnésie avant les faits supérieure à 30 minutes est déjà grave. Donc on a des traumas graves qui ne se souviennent pas, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, etc., qui remontent à plusieurs années. Et l'amnésie entérograde, c'est-à-dire qui survient après les faits, elle est plus ou moins longue. Et le sujet peut être totalement conscient, parler, se déplacer, mais il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il répète toujours la même chose, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je fais là, et il ne nous reconnaît pas. Et il travaille en boucle, enfin il parle en boucle, et jusqu'à temps qu'il sorte de cette amnésie, et il ne se souviendra jamais de cette période-là. Il peut avoir des périodes de photos, de flashs, où son
ce n'est pas le continuum de toute la situation. D'accord. Donc après, il y a le scanner cérébral, il y a un déficit neurologique qui peut apparaître ou une crise d'épilepsie de façon transitoire. Et voilà, on se bat sur ces choses-là. C'est comme ça que vous qualifiez, en fait, si c'est grave ou... Voilà. Le grave, il est dans le coma. Hein, il ne réagit pas. Donc on est obligé de l'intuber pour préserver le plus possible... Ses fonctions. De cellules cérébrales. C'est surtout ça qui nous importe le plus. Hein, parce que ça saigne. Il suffit de, par exemple, il suffit que de 25 cc de sang dans le cerveau pour qu'on meure. Donc il ne faut pas beaucoup. Et tout ce qui est détruit au cerveau ne récupérera jamais. Et qui plus est, il se produit un œdème autour du saignement qui détruit encore plus les cellules. Donc en fait, un choc suite à un accident... S'il n'a pas été traité immédiatement, s'il n'a pas effectivement subi tous les examens dont vous venez de nous parler, on peut très bien se retrouver avec une personne qui va décéder dans les heures qui suivent, alors qu'à l'examen, pas clinique, mais à l'examen visuel, à l'œil nu, le pompier dans le camion, il ne voit rien du tout, quoi. Oui, alors c'est pour ça que nous, on s'accorde, d'une surveillance de 6 heures. D'accord. Logiquement, c'est pendant les 6 heures que les complications immédiates doivent survenir. Mais parfois, ça arrive que ça demande une journée ou deux qu'il y ait des complications. Ça, on ne peut pas le prévoir. Ce qui explique qu'on va avoir un accident ou même un gamin qui a eu un accident dans la cour de récréation, on va dire on le garde en observation. Voilà. C'est ça, en fait. Quand on dit on vous garde en observation, c'est pour voir si dans les 24 heures, il ne va pas y avoir des signes qui vont apparaître. Oui, alors, d'autant plus que les gamins chutent fréquemment sur la tête. C'est très fréquent. Mais on ne va pas faire un scanner de façon systématique, parce que les scanners peuvent engendrer aussi, être trop fréquents, à entraîner des complications cancéreuses. Alors, C'est le dilemme. Alors, depuis quelques années, on a des possibilités de faire des prises de sang chez les enfants. Maintenant, il y a des tests salivaires qui commencent à apparaître, mais c'est compliqué, parce que ce sont des machines qui coûtent extrêmement cher. Alors, docteur, vous avez mis en place avec d'autres médecins du territoire ce qu'on appelle un réseau. Vous pouvez nous parler un peu plus de ce réseau que vous avez mis en place ? Alors ce réseau, j'en rêve depuis 15 ans à peu près, et ça a été compliqué, et quelque part, heureusement, on a été rattaché au Nord-Pas-de-Calais, et ce réseau avec lequel on avait des bonnes relations a permis de se rattacher à la Picardie. Donc c'est le cas maintenant, donc il y a un réseau Hauts-de-France spécifique trauma crânien AVC. Donc ce sont des cérébro-lésions acquises, c'est-à-dire aussi les tumeurs cérébrales, les arrêts cardiaques, etc. Et donc ce qui fait que l'ARS prend en considération tout ça, et elle vient de créer pour l'ex-Picardie un poste de neuropsychologue et un poste d'assistante sociale pour chacun des départements. Donc, on est encore en train de définir dans quels hôpitaux ils vont être basés. Et ça va permettre à ces personnes-là, financées par l'ARS, de pouvoir se déplacer dans le territoire. En Picardie, on a des énormes soucis de communication. Pour preuve en tirage, pour preuve dans le Vimeux et du côté de Beauvais. Ce sont des régions très pauvres en communication, où il y a un manque de médecins et il y a énormément de patients cérébro-lésés qui ne sont pas pris en charge. Donc on considère que maintenant c'est nous qui devons aller vers eux. Donc ça demande de repérer, de connaître tous ces patients cérébro-lésés.
Et vous envisagez ça comment? Sous forme de consultation? Sous oui. forme de mise à disposition de ce personnel dans les centres hospitaliers? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc on est en train de voir pour qu'il y ait... Bon, qu'il y ait, par exemple, sur Saint-Quentin, où je suis, qu'il y ait un poste avancé là. Donc là, on a réussi à avoir par sponsoring une voiture pour qu'il puisse se déplacer. Donc c'est tout un management, tout ça. Donc la Picardie... Mais vous déplacez sur rendez-vous, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation d'urgence où est-ce qu'on vous appelle comme un SMUR. Non, non, là vous intervenez à la demande d'un médecin qui dit voilà. « j'aimerais bien que vous puissiez venir ». Voilà, si vous voulez, alors, il y a l'urgence et... Il y a l'après-urgence. Après, il y a ce qu'on appelle le médico-social. On rentre dans un autre schéma où il y a les consultations, les suivis, toutes les aides d'ergothérapeutes, de neuropsychologues, d'assistantes sociales, parce que le traumatisé crânien qui a des séquelles, c'est un autre personnage. C'est, comme disent les familles, c'est un coup de... Les associations de familles, un coup de tonnerre dans un ciel serein, et c'est une autre personne. Donc c'est aussi une catastrophe tant pour la personne, mais c'est aussi une catastrophe pour l'entourage. La famille. Donc là, en fait, votre réseau, non seulement il va prendre en charge la victime, oui. mais en plus, il va aussi s'intéresser à l'environnement, c'est-à-dire à la famille. Oui, parce que il faut d'autant plus, parce que la prise en charge d'un traumatisé crânien ou d'un AVC, hein, l'AVC, c'est très localisé au niveau lésion cérébrale, tandis que le traumatisé crânien, c'est une onde de choc qui passe à travers le cerveau. Donc ça entraîne tout un tas de lésions à chaque passage. C'est un phénomène de rebond os contre os. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un choc en frontal, mais la lésion qui saigne, c'est à l'arrière. Mmh. Et ça a entraîné beaucoup de dégâts entre deux. Donc il y a des circuits qui sont coupés, et donc la personne n'est plus du tout la même. Et les familles ne les reconnaissent pas. Et quand j'ai commencé ma fac, on appelait les traumatisés crâniens le syndrome subjectif post-trauma crânien. Subjectif, ça veut dire qu'ils le faisaient exprès et qu'ils cherchaient compensation. Et donc ça reste quelque part dans la mémoire collective. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que le traumatisé crânien, de par son comportement, le fait exprès. Donc il faut arriver à lutter contre ça, parce qu'on sait très bien que les traumatisés crâniens, si l'environnement est parfait, il va s'en sortir par tout un tas de procédés. Ça, bon, on ne va pas revenir sur la rééducation, oui. mais ça demande un environnement et une compréhension de tout l'entourage. Mais c'est très long. C'est très long. Aujourd'hui, il y a justement des établissements qui sont prévus pour cet accompagnement. Alors oui, il y a ce que l'on appelle, il y a tout un circuit de prise en charge de ce type de patient. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une rééducation? Ah oui. 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 Par exemple, je voyais ici une cuisine. On est obligé de réapprendre les gens à cuisiner parce qu'ils ont des... Les oublis, les absences. C'est pas qu'ils ils savent plus. Ils savent plus. Il faut leur réapprendre les gestes de la vie quotidienne. Non, on doit être le starter du début. Et c'est-à-dire, on doit toujours indicer... ils ont des troubles de la mémoire. Donc ça veut dire qu'ils se souviennent plus. Par exemple, ils vous voient, cinq minutes après, ils vous revoient, ils ne vous reconnaissent pas, ils vous redisent bonjour. Donc, c'est catastrophique de dire « je te l'ai déjà dit ». Il faut toujours indicer, il faut toujours donner le starter. Et on leur apprend, donc j'ai été médecin au Sophora, qui est un foyer d'accueil médicalisé spécifique aux cérébro-lésés, on leur apprenait à fabriquer un gâteau au chocolat. Pour faire le gâteau au chocolat, il faut savoir utiliser l'argent, il faut
aller faire les courses, c'est-à-dire à pied ou en bus ou autrement. Donc se repérer dans l'espace. Dans le magasin, revenir, payer, utiliser tous les différents ingrédients. Donc c'est tout un cheminement pour faire, et si vous voulez, quelque part, on ritualise énormément les choses. Parce que le traumatisé crânien, au fil du temps, c'est une personne qui ne sait pas exprimer ses émotions et qui les garde pour lui et qui est extrêmement malheureux et dépressif au fond de lui-même, mais qui ne saura pas exprimer. Donc il faut éviter tout ça. Donc en fait, le traumatisé crânien que vous nous décrivez, il a conscience de tout alors ? Il a conscience de son état, même s'il ne peut pas l'exprimer ? Oui. Contrairement à quelqu'un qui serait, par exemple, la maladie d'Alzheimer, voilà, il a plus conscience de son état. Là, par contre, le traumatisé crânien, il a conscience. Alors, oui et non. Pendant une période, il y a ce que l'on appelle la nosognosie. La nosognosie, c'est quelqu'un qui est amputé et qui dit « je sais courir ». Je suis capable de le faire. Il n'a pas conscience. C'est pas du déni, mais il n'a pas conscience. Et après, quand cette anosognosie disparaît, c'est variable au bout de quelques mois et surtout quelques années, donc il devient dépressif. Mais ce patient-là a toujours le regret de son état antérieur. Donc quand il était normal et qu'il était capable de faire tout un tas de choses. Et son profond désir, c'est de vouloir revenir comme avant. Ça, c'est pas possible, malheureusement. On est obligé d'utiliser d'autres parcours. Sa deuxième principale chose, son intérêt, c'est d'avoir une femme, si c'est un homme. C'est se marier, rencontrer une femme. Imaginez, il y a des gosses de 15-16 ans qui ont un trauma crânien. Ils n'ont jamais connu quelques rapports sexuels ou autres. Et ils désirent travailler aussi. Quoi qu'il arrive. Alors, on va résumer justement le rôle de votre réseau, parce que c'est bientôt l'heure de se quitter. Mais ce réseau, pour moi, me semble très important, et pour vous aussi, puisqu'il y a 15 ans que vous l'attendiez. Ce réseau, ça y est, il est en place ou il est en train de se mettre en place ? Alors, il est en place. Il y a le réseau qui existe déjà sur le 59-62, qui est basé à Lille. Au CHU de Lille, l'ex-Picardie, c'est basé à Corbie. C'est un centre de rééducation. Ouais. Donc, c'est là où il y a deux coordonnateurs, un pour chaque ancienne région, disons. D'accord. Mais tout ça, c'est chapeauté par Lille et auquel on fait partie. Hein. Donc, ce réseau que vous avez tant espéré, aujourd'hui, il prend en charge... Combien de personnes à l'année ça a déjà été évalué un petit peu, le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de votre intervention? C'est compliqué. Difficile de chiffrer comme ça. On a eu une réunion il n'y a pas très longtemps. Je pense que dans le Nord... Alors, c'est beaucoup plus spécifique dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que ça fait 15 ans qu'ils existent. Ils existent, voilà. C'est à peu près 500-600 par an. Alors qu'en Picardie, c'est chacun fait un petit peu comme il peut, avec les peu de moyens. Donc là, tout ça, on est en train de bien structurer tout ça. On est vraiment en route de création, de structuration, et de déterminer les différents points de consultation où il va y avoir. Là, c'est énorme hein, pour le Nord-Pas-de-Calais, 500 à 600 personnes. Mais ça veut dire que si ce réseau n'avait pas existé, est-ce que c'est des gens qui seraient passés à côté justement de diagnostics, de prise en charge, ou c'est des gens qu'on aurait pu retrouver mais beaucoup plus tard et donc peut-être trop tard ? Tout à fait. Tout à fait. Hier, j'ai encore vu en consultation un monsieur qui a eu un trauma crânien il y a 5 ans, grave. Qui n'a pas de suivi. Il est venu me voir hier. Il a eu un suivi dès le départ, mais pas après. C'est la grosse difficulté aujourd'hui ? Oui, c'est la grosse difficulté tant par le patient qu'avec cette fameuse anosognosie. Je vais très bien, donc il n'y a pas lieu qu'on m'embête.
c'est l'expression, et puis une méconnaissance totale de la famille, de l'entourage qui a possibilité de faire des choses. Et aussi, à la fac, on ne nous apprend pas ça. Donc ça demande aussi ce que l'on fasse, nous, des formations. Hein, c'est ce que l'on a fait ensemble à Saint-Quentin. Donc ça va mieux. Mais ce dont je viens de m'apercevoir là, j'essaye de créer un poste à l'hôpital de Saint-Quentin pour quelqu'un qui puisse... un coordonnateur pour qu'il puisse contacter tous les TC et AVC qui arrivent aux urgences et de voir un peu comment ils vont et de voir s'ils ont besoin d'un suivi médical ou autre. Et j'ai toutes les statistiques en même temps de l'ARS et je m'aperçois qu'il y a une énorme sous-estimation au niveau de l'ARS du nombre de traumatismes crâniens qui est au moins 50% de sous-estimation. Aujourd'hui, quelle est la cause principale du traumatisme crânien ? L'AVP toujours ? Ah non. Non ? Non. Lorsque l'on avait fait notre étude il y a quelques années en Picardie, en premier, c'était les chutes, les personnes âgées. Donc ça veut dire qu'il faut leur apprendre à marcher, etc. Après, c'était les femmes jeunes au domicile. Et donc ça, on a fait un rapprochement... on pense aux violences conjugales. C'est ça, oui. Oui. Et après, il y avait le sport aussi. Alors, le sport, c'est... Enfin, en troisième, c'était les accidents. Le sport, c'est totalement autre chose. C'est compliqué, le sport, parce que les seuls sportifs qui sont bien pris en charge, professionnels, ce sont les rugbyman. Même pas les boxeurs. Beaucoup moins. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont les plus exposés. Voilà. Alors même, on considère maintenant que même un joueur de football, en Angleterre, les gamins ne peuvent pas faire de tête avant l'âge de 12 ans. Hein. On sait que les rugbyman américains, enfin le football américain et les hockeyeurs, il y a énormément de traumas crâniens répétitifs. Et il y avait un Américain qui avait dit... Alors, ils devenaient tous dépressifs, agressifs, violents, etc. Et ils finissaient par se suicider. Il y en a un, et un jour, il a dit, je vais me suicider, vous prendrez ma tête et vous l'analyserez. Et il l'a fait. Et donc, on l'a analysé, et ça a permis de découvrir plein de choses, qu'il y avait plein de fractures d'axones, de fibres nerveuses, partout dans le cerveau, qui déclenchaient des réactions chimiques, et qui déclenchait, donc ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas que la lésion, le trou dans le cerveau, entre guillemets, il y a toutes des réactions chimiques qui se produisent. Pour preuve qu'en un trauma crânien, on retrouve dans le sang des corps particuliers. C'est ce qui nous permet de faire le diagnostic par prise de sang qu'il y a une lésion intracrânienne. Et donc... on interdit maintenant, c'est pour ça qu'il y a le processus en France chez les rugbyman de commotion cérébrale. Et qui ne peuvent pas. Mais il faut imaginer que tous nos enfants, ils n'ont pas de médecin, les arbitres ne sont pas formés, les coachs ne sont pas formés, et les gamins font énormément de traumas crâniens. Et un trauma crânien chez un enfant, c'est dangereux. Oui, parce que quand je vous parle de sport, je pense par exemple à un basketteur qui va prendre le ballon qui lui retombe dessus, c'est le crâne qui prend. Mmh. Un gamin qui apprend à faire du vélo, qui fait de la chute, c'est rien, j'ai rien, voilà. Mmh. C'est pour ça qu'il y en a 20% qui passent à l'as. Voilà, et c'est comme ça qu'on passe à travers les mailles du filet. Écoutez, ça a été une émission très intéressante sur le traumatisme crânien. Alain, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport justement à la prise en charge, la prévention encore du traumatisme crânien ? Ce serait quoi ? N'hésitez surtout pas à consulter. Oui, alors il y a le réseau. Il y a aussi des associations de familles, la FTC Picardie et du Nord-Pas-de-Calais qui existent. Ce sont des associations de familles. Et il y a aussi des... Parce que il faut pas oublier que ce sont des pénalités financières chez ces personnes-là
Et donc, il y a un phénomène d'assurance et il y a du juridique en dessous et il y a des sommes d'argent aussi qui sont en jeu. En jeu. Donc, il y a tout ça qui peut aider. Il y a des associations de victimes. Bien. Eh bien, écoutez, merci encore, docteur Brié, pour nous avoir expliqué en grande ligne, mais on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises, tellement c'est intéressant, la prise en charge du traumatisme crânien. Voilà, cette émission Handi Régional Tour est terminée pour aujourd'hui. On se retrouvera bien entendu demain, toujours ici à Laon. Merci à la région Hauts-de-France. Merci également à l'AGFIP Hauts-de-France. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.